Kate et William ne s'afficheront pas main dans la main au stade Vélodrome de Marseille ce week-end. Voici pourquoi. Après avoir reçu le pape en grande pompe les 22 et 23 septembre dernier, Marseille ouvre ses portes à la couronne britannique. Héritiers du trône d'Angleterre, Kate et William poseront leurs valises dans la cité phocéenne ce week-end du 14 octobre. Un voyage de dernière minute qui a été annoncé par le palais de Kensington à peine quelques heures avant que le couple ne prenne l'avion. Le prince de Galles assistera pour sa part au match de quart de finale de l'équipe du pays de Galles contre l'Argentine ce samedi à 17h au stade Vélodrome de Marseille. Kate Middleton lui succédera le lendemain pour encourager l'équipe d'Angleterre face aux Fidjiens. Les paparazzi risquent d'être fort déçus ce week-end. Kate et William n'apparaîtront en effet pas ensemble dans les tribunes du stade Vélodrome puisque chacun soutient des équipes différentes. La belle-fille de Charles III a fait le déplacement à Marseille en qualité de marraine royale de la Rugby Football Union, tandis que son mari se présentera en tant que patron de la Welsh Rugby Union. Le couple était déjà sorti séparément lors de son précédent voyage en France. La princesse de Galles avait assisté au match de poule Angleterre-Argentine le 9 septembre à Marseille. Le lendemain, le prince William apparaissait dans les tribunes du stade Matmut Atlantique de Bordeaux pour supporter le pays de Galles contre les îles Fidji. Cette rencontre marquante avec Kate Middleton le 9 septembre dernier, Kate Middleton assistait à la victoire de son équipe face à l'Argentine. La princesse de Galles avait tenu à féliciter les joueurs britanniques en personne dans les vestiaires. Une séquence immortalisée dans des clichés aussitôt mis en ligne sur son compte officiel Instagram. Bravo à l'équipe anglaise de rugby. Un excellent départ pour cette Coupe du Monde, nous avons hâte de suivre vos progrès, peut-on lire sur le post aux plus de 175 000 likes. La femme de William avait aussi salué Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Honoré, l'élu Renaissance avait publié une photo de leur rencontre sur X, ex-Twitter. Just